précédemment dans l'os. Rien, évidemment, c'est le premier épisode, en douille. 22 septembre 2004. C'était une journée comme les autres. Je pilotais mon jet privé au-dessus du Pacifique Sud quand j'ai aperçu une île en forme d'os. J'ai donc décidé d'atterrir en douceur sur la plage. Et puis, bizarrement, je me suis retrouvé au beau milieu de la jungle. Hein? Une jungle assez bizarre d'ailleurs, car sur chaque arbre, sur chaque plante, il y avait une étiquette qui disait « Made in Taiwan ». Je me suis donc levé. J'avais affreusement mal au dos. Mon dos. J'aurais pas dû dormir sur cette planche de fakir. Ensuite, sans aucune raison, je me suis mis à courir. Durant ma course, je suis passé aux côtés d'un arbre bizarre sur lequel poussent des chaussures. Ensuite, j'ai descendu une pente, prudemment. Alors que j'étais en mauvaise posture, un indigène immonde me tendit la main. Il ressemblait à Monsieur Propre. Bonjour. Vous êtes nouveau ici, je me trompe. Serrons-nous la main. Merci, ça ira. Vous préférez peut-être qu'on se fasse la bise. Non, on va éviter ça, je crois. Serrez-moi au moins un doigt. Bon, vous voyez pas que je suis occupé, là. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous cueillez des racines? J'essaie d'échapper à la mort. Si vous me serrez la main, je pourrais peut-être vous remonter. Pas con comme idée. Ouais, allez-y. Boule de billard avec son bras plein de muscles m'aida alors à remonter. J'ai alors vu sa tête de près. Ça m'a bien fait marrer. Est-ce que ça va? Merci de m'avoir aidé, monsieur. Oui, je suis un monsieur. Vous aviez une chance sur deux, bravo. Mais non, je veux connaître votre nom. Je m'appelle Jaune Loque. Mm-hmm. Mais tout le monde, ici, m'appelle la Loque Jaune. Et vous, comment vous intitulez-vous? Jackie. Jackie Chaparde. Ah, c'est très moche comme nom. Et que venez-vous faire sur l'île de l'os? J'ai vu de la lumière, donc je suis viendu. Mais qu'est-ce que c'est que cette île? Vous habitez ici? Non, c'est une île pour les vacances. C'est un endroit étrange et mystérieux pour tous ceux qui en ont marre d'aller en vacances dans des lieux ordinaires. Étrange? Qu'est-ce que vous voulez dire? Étrange, adjectif, qui a un caractère inhabituel, bizarre, extraordinaire. Non, je veux dire, pourquoi cet endroit est étrange? Parce que rien n'est ordinaire ici. Vous portez un smoking, puis une seconde plus tard, vous vous retrouvez en short avec un t-shirt vert, une barbe de 3 jours et un flingue à la main. Comme si un type avait assemblé des scènes d'une série n'importe comment pour faire une parodie. Je vois. Il y a d'autres trucs étranges bien plus intéressants. Vous êtes passé près de l'arbre à chaussures tout à l'heure, je pense. C'est exact. C'est bien pratique. Plus besoin d'aller au magasin. Par contre, il faut les cueillir bien mûrs, sinon vous n'aurez que des tongs. Et si l'arbre à chaussures ne vous intéresse pas, attendez de voir le buisson à bière. Et vous vivez seul ici? Oh non, nous sommes 108, tous en vacances. Venez, je vais vous les présenter. Ils sont sur la plage. Allez, c'est parti mon capri. Et surtout, restez loin de moi, Jackie. Pourquoi? Parce que j'ai une gastro. Comme Fidel. Fidel gastro. J'ai entendu cette blague dans Die Hard 8. Allez, allons-y. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais vraiment tombé sur un os.
Grrrr.